Mesdames et messieurs amoureux des sports, salut, bonsoir. Très heureux, nous sommes de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Digital Sport en direct de Digital Congo Télévision. L'actualité sportive, les fanatiques du tout-puissant Mazembe dans la rue ce mercredi à Lubumbashi, selon le président de supporters de ce club, c'est pour dénoncer l'abandon dont le tout-puissant Mazembe est victime de la part du gouvernement congolais. Selon Mario Kawel, ça fait 3 ans depuis que le tout-puissant Mazembe évolue en interclub de la CAF sans la moindre assistance du gouvernement de la République démocratique du Congo. Cette marche va partir du stade TP Mazembe pour chuter à l'Assemblée provinciale. Ici, un mémorandum des fanatiques du TP sera lu puis remis. On écoute ici Mario Kawel dans ses propos en Kiswahili. Non, bah, fanatique est beaucoup calme. Qui l'a payé, n'a qui l'a moukini, n'a la loi. Ma pays, t'es une sportagar, ma équipe. Mazembe, ça fait 3 ans que je suis allé à Makuta Yake, je suis allé à mon avion dans mon hôtel, pour la Nendaka. Je suis allé à réclamer les droits et je suis allé à Nzambi, à Tama Tonafanya. Je suis allé à la fanatique Boti, parce que c'est une marche pacifique. Je suis allé au stade dans le Saint-Never, je suis allé à Biéoupe, je suis allé à Mazembe, je suis allé à Mukweba Mingisana, je suis allé à Subui dans le Saint-Never, 10h, je suis allé à Tuna Pita Mouville. Tout le monde a appelé la mémoire et tout pour l'Assemblée provinciale. A tout le monde a appelé tout le monde a déposé la mémoire et tout. Nous avons appelé Bote, nous avons appelé l'équipe Mazembe, Baba, Baba, Maman, Toto, Biyana, les sportifs Bote, nous avons tout accompagné pour marcher et tout, Kesho, Asubui, tout le monde a appelé la mémoire et tout pour l'Assemblée provinciale. Moi, je suis en train de faire Mazembe. Le tout-puissant Mazembe, seul club congolais engagé en interclub de la CAF, la Ligue des Champions notamment. Les Corbeaux jouent samedi prochain déjà contre Petro Atlético de Luanda. Match comptant pour les quarts de finale aller de cette compétition. On veut le voir sur ces images. Le tout-puissant Mazembe enchaîne avec des séances d'entraînement dans son entre du stade TP Mazembe de Lubumbashi, toujours en prélude de ce match face à Petro Atlético. Match qui va se jouer sur place même au stade TP Mazembe le samedi prochain sous le coup de 15h de Lubumbashi et fera 14h à Kinshasa. Petro Atlético, cette équipe qui connaît une saison ou jusque-là un parcours plutôt exceptionnel en Ligue des Champions de la CAF, cette équipe qui a fini la phase de groupe sans prendre le moindre but tout au long de cette phase de groupe. Donc le match retour aura lieu une semaine après à Luanda, la capitale de l'Angola. Et pour ces quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF, le programme complet. Déjà le vendredi prochain, un match au programme. Simba Sporting Club, et pas AS, vous allez corriger avec nous, de la Tanzanie, sera opposé au National Al Ahly. Match va se jouer Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie. À suivre le samedi pour la suite, Young Africans de la Tanzanie contre Mamelodi Sundowns et l'Espérance Sportive de Tunis contre la SEC Mimosa. Vous l'avez découvert, la Tanzanie est la seule nation qui est parvenue à aligner 2 équipes à cette étape de la compétition. L'actualité sportive également, la première division du championnat national de la LINAFOOT dans sa phase des play-offs. C'est déjà la 6e journée qui débute ce mercredi, 2 matchs au programme. Tout d'abord, direction Goma au stade L'Unité. Ici, l'AS Dauphin Noir, l'équipe locale, va croiser le FC et le Lubumbashi Sport. Une opposition entre le 4e et le 5e au classement provisoire, les deux avec 4 points chacun. Dauphin Noir est sur 2 défaites d'affilée. La récente défaite, c'était dimanche dernier, 1-2 face au FC Saint-Éloi Le Popo. Le Lubumbashi Sport, la grande nouvelle tout d'abord est que l'équipe est arrivée à Goma. Et sur ces images, l'équipe s'est même entraînée et a donc procédé à la traditionnelle reconnaissance de la pelouse du stade L'Unité de Goma avant ce match prévu demain à partir de 15h heure de Goma. Il fera 14h à Kinshasa. Les Kamikazes qui jeudi dernier n'étaient pas si loin de prendre 3 points très précieux face aux Aigles du Congo. Si ces derniers n'avaient pas égalisé à la 84e minute de jeu, un peu partout. Score final, ce match de demain est donc déterminant pour les deux équipes. Le Lubumbashi Sport qui se trouve à Goma déjà, on écoute. Ou alors on suit tour à tour Gulusa Dissou de l'AS Dauphin Noir et Chrysomo Kenzi de Lubumbashi Sport. Le match de Lupopo, c'est déjà passé, c'est déjà oublié. On a travaillé sur,
sur base de Lubumbashi Sport. Parce que Lubumbashi Sport aussi, c'est très 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 belle équipe aussi. Surtout, je connais leur façon de jouer. Ce sont des joueurs qui aiment trop jouer au ballon. Je sais comment contrer cette équipe de Lubumbashi Sport. J'espère que les jeunes gens sont conscients par rapport à notre parcours qu'on fait au niveau du play-off. On vient des matchs perdus contre Lubumbashi Sport. Il faut que les jeunes gens fassent le nécessaire pour gagner ces matchs de demain. Ils sont bien préparés, on est arrivés, on est bien logés, le moral est bon. On pense que le joueur sera prêt pour demain. A été toujours difficile de jouer avec une équipe qui vient de perdre deux matchs. Et ils ne vont pas accepter de perdre le troisième. Et c'est à nous d'être bien préparés mentalement pour chercher le trois points. Ça ne sera pas facile, c'est à l'extérieur. Vous savez, ça n'a pas toujours été facile d'aller chercher le point à l'extérieur. Mais ce n'est pas impossible. C'est possible si nous sommes sereins, si le groupe se calme et puis on vient jouer notre football. Nous espérons qu'on va faire un bon résultat ici. On a des informations sur l'équipe des Dauphins, mais c'est sur le terrain qu'on va bien le voir. Pendant peut-être 15 minutes, on va voir comment ils jouent et on va chercher par tous les moyens de mettre notre plan de jeu, essayer de contrer leurs points forts et aussi chercher leurs points faibles pour essayer de les exploiter. Ilunga Mukadi est précédé de Gulu Sadissou avant ce match donc entre l'AS Dauphin Nord et l'UFC Saint-Éloi-le-Popo, une opposition entre deux équipes qui se valent carrément jusqu'à ce niveau de la compétition. L'autre match va se jouer à Lubumbashi, le cercle sportif Don Bosco croise le FC Les Aigles du Congo au stade TP Mazembe, un match avec une caractéristique principale: les deux adversaires n'ont pas remporté la moindre rencontre depuis le début de cette phase des play-offs. Don Bosco revient dans match nul face à l'AS Vita Club, un nul plutôt précieux. Don Bosco et les Aigles du Congo, des équipes qui courent donc toujours derrière une première victoire dans cette phase des play-offs. Et sur ces images, la séance d'entraînement des Aigles du Congo au stade TP Mazembe, c'est ici même que va se jouer la rencontre de demain à partir de 15h. Hors de Lubumbashi fera 14h à Kinshasa. À ce match crucial, une occasion qui veut être saisie à part à chacune des deux parties pour décoller finalement. Et tour à tour ici, Luc Emael et Jean-Claude Loboko, respectivement entraîneur des Aigles du Congo et du cercle sportif Don Bosco, en conférence de presse d'avant-match. Dans ce play-off, il n'y a aucun match facile et je pense que Don Bosco l'a montré contre le club, l'a montré à d'autres reprises également. C'est une équipe très solide, bien organisée, bien structurée, avec numéro 9 très, très intelligent et une attaque assez dynamique et puissante et quelques joueurs d'expérience comme numéro 2, numéro 13 et avec des arrières latéraux qui sont relativement offensifs, donc un gardien qui malgré sa taille semble être très explosif et dynamique. Je ne les ai pas vus uniquement qu'au match, j'y suis allé plus pour voir un peu l'ambiance au stade de Mazembe que pour visionner Don Bosco que nous avions déjà étudié. On travaille quand même, on ne va pas travailler au dernier moment, on travaille quand même là. Déjà, je suis déjà sur le match de Maïma, c'est un exemple. C'est le match qui va nous permettre soit de se projeter, soit de faire du surplace. De toute façon, le match de Vita ne nous a rien apporté mathématiquement. On est toujours dernier, on a juste un point de plus. Donc demain, l'objectif, c'est vraiment de tout faire pour gagner. On sortirait d'abord dans la zone rouge et se mettre en confiance par la suite. C'est une question de confiance. Quand vous ratez, on ne fonce pas les joueurs parce qu'on est avec eux et on est toujours responsable de tout ce qui arrive. On a mis l'accent sur la confiance, sur la persévérance et on va continuer à pousser, compter sur nous pour continuer à jouer. Quand vous ratez, on ne fonce pas les joueurs parce qu'on est avec eux et on est toujours responsable de tout ce qui arrive. On a mis l'accent sur la confiance, sur la persévérance et on va continuer à pousser, compter sur nous pour continuer à jouer. On va essayer d'avoir le même contenu, même si on sait que trois jours après c'est pas facile, mais on va continuer à faire, à produire ce qu'on fait avec l'efficacité en plus.
À présent, le chapitre des réactions, la cinquième journée, se poursuivait le dimanche dernier. À Goma, notamment, le FC Saint-Éloi Le Popo s'est imposé en déplacement face à l'Est Dauphin Noir. 2-1, doublé de Georges Empolé pour les Viettins de Le Popo. Gulu Sadissou a assumé. Mohamed Magasuba a lui des propos plutôt élogieux, si pas ironiques, à l'égard de Gulu Sadissou. Suivez. On n'a pas vraiment démérité cette défaite d'aujourd'hui. J'ai dit merci, bravo à mes joueurs et puis bravo à l'équipe qui a gagné Le Popo. Et puis bonne continuité à faire fesser Le Popo. Nous, on va continuer toujours à travailler pour améliorer quelques failles qu'on a eues aujourd'hui. Vraiment, je suis vraiment très triste aujourd'hui. Bon, je peux dire par rapport à la manière, on n'a pas vraiment respecté les zones. Il fallait bloquer d'abord les zones par rapport à l'air milieu de terrain. C'est ça qu'on a pas vraiment, les jeunes gens, on n'a pas vraiment respecté ça. Mais on va corriger Richard. Le coach Gulu Sadissou, il fait un travail remarquable. Je vous assure, moi, je suis épaté. C'est vrai que nous avons gagné. Mais le travail qu'il a là-bas ici, franchement, ça me fait du boum au cœur. Parce que quand je vois un de mes fils faire un grand travail comme ça, mais tenir à l'haleine vraiment plein, 90 minutes, je suis très fier de lui malgré la défaite, parce que le football, peut-être faut toujours un gagnant certainement, c'est nous qui avons gagné, mais je vous assure, l'équipe de Dauphin reste une équipe très très solide. L'inverse pouvait se faire, parce que c'est le football, mais quoi qu'il arrive, il faut encourager la production footballistique qu'on voit avec cette équipe-là, ça veut dire qu'il y a un travail de fond. C'est le contenu qui est important dans le football. Ils ont un très bon contenu. Je vous assure que ce n'est pas pour flatter. Je suis fier de lui. Je lui dis qu'il continue à bosser. Nous avons déjà dit qu'on a pris le train un peu en retard. Mais nous savons qu'un tel championnat n'est autre chose qu'une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse. C'est l'arrivée qui compte. Retour sur le Lubumbashi. Ici, ça joue également le dimanche dernier. Le nul 2-0 entre le Cercle Sportif Don Bosco et l'AS Vita Club, de la déception de part et d'autre. Ici, Abdeslam Ouadou, l'entraîneur principal de l'AS Vita Club, pas du tout satisfait du score. Un match fermé, un match très âpre, de deux bonnes équipes. On était venu ici avec l'ambition de repartir avec 3 points et on repart seulement avec 1 point. C'est des matchs compliqués à l'extérieur. Je pense qu'aujourd'hui on n'a pas trouvé la clé, que ce soit dans le jeu ou que ce soit au niveau des situations de jeu. C'était assez âpre. J'ai pas trop aimé ce match, très sincèrement. Mais il y aura des matchs comme ça, c'est le football. On a eu une opposition très solide, très compacte, qui a eu des situations de jeu aussi. On le savait. Ça veut dire que le championnat progresse aussi. C'est une équipe très difficile à manier parce que c'est vrai, quand on regarde la lecture, c'est une équipe qui a qu'à 1 point. Elle a perdu plusieurs matchs. Mais ce que j'ai dit à mes joueurs, ça va être un autre match aujourd'hui. Et on l'a vu, c'était une autre équipe. C'est pas du tout la même équipe qui a joué contre les autres équipes précédentes. À présent, direction la ville de Kindu, chef-lieu du Maniema. L'équipe locale de l'AS Maniema Union s'entraîne sans relâche. C'est après deux défaites face à des concurrents directs, notamment le tout-puissant Mazembe et le FC Saint-Éloi Le Popo. Le Popo qui a battu Maniema Union à domicile, 3-1, score final. Et pour la suite du championnat, place à un autre gros morceau, l'AS Vita Club. Ça doit être le dimanche prochain. À Papi Kimoto, coach de l'AS Maniema Union, au micro de notre correspondant à Kindu, Grace Bambi, a montré un souhait clair de gagner ce match face à l'AS Vita Club. On n'a pas d'autre choix que de vouloir gagner ces matchs-là parce qu'on vient de perdre déjà à la maison. Et on est en train de travailler pour élever la tête. On est en train de travailler pour continuer à aller de l'avant. C'est notre concurrent, on a le même nombre de points. Et même eux, tout comme nous, on veut prendre l'avance sur eux. Donc on est conscient et en même temps beaucoup plus éveillé. Il y a eu beaucoup de la fatigue après notre voyage à Lubumbashi. On a enchaîné des matchs, changement de climat, on revient et ça a perturbé. Mais ça ne signifie pas tout. On a perdu notre match à la maison pour la première fois en play-off. C'est ça le football. Il y a 3 résultats, il faut accepter. Maintenant, se remettre vite au travail comme on est en train de le faire.
pour rebondir prochainement le dimanche prochain, Inch'Allah. Nous, on joue pour avoir l'une des quatre premières places parce que ce sont ces quatre places-là qui sont qualificatives en compétition africaine la saison prochaine. C'est notre objectif et on est là. Voilà, on travaille dur pour ça. On a commencé déjà à travailler dur pour ça, espérant qu'on va y arriver. Et je pense qu'on y arrivera. C'est mon... On travaille maintenant à faire en tant que coach, en tant que psychologue, en tant que leur entraîneur. Je les ai déjà remotivés, je les ai déjà boostés, ils sont remobilisés. Il faut aller de l'avant, on ne regarde plus en arrière. Maintenant, il y a le match qui se présente, ça annonce encore très rude parce que toutes les équipes en play-off sont compliquées à jouer. Donc, hormis, je pense, Don Bosco qui n'a pas encore gagné, mais toutes les équipes ont déjà gagné leur match. Donc, on n'est pas aussi loin. Il a, je pense, 3 points ou 2 points et le premier a 10 points. Tout peut arriver, il y a encore 9 matchs à jouer et le championnat est encore long et rien n'est dessiné et il faut se battre tous les jours. La première division du championnat national de la Linafoot, est-ce qu'il est pour l'instant le classement provisoire est dominé par le tout-puissant Mazembe qui compte 10 points. Vous pouvez le voir en 4 journées et seulement un match de moins que ce poursuivant direct. Tout de même, l'AS Vita Club, deuxième 9 points, Lupopo 9 points également, ainsi que Maniema Union. Il y a donc 3 équipes à 9 points et 2 à 4 points. Le Lubumbashi Sport et les Aigles du Congo sur ce classement provisoire qui est complété par l'AS Dauphin Noir ou alors par le cercle sportif Don Bosco et les Aigles du Congo. Vous allez donc faire remonter Dauphin Noir à la 5e place et puis les Aigles du Congo un peu plus en bas avec seulement 3 points sur ce tableau qui vous est proposé. Et puis cette page noire, triste, ce joueur qui est décédé, joueur qui a évolué en première division du championnat national de la Linafoot, Kapaya Lebo, sur cette image portant les couleurs du FC Étoile du Kivu, c'était avant qu'il ne rejoigne en début de saison l'Académie Club Rangers. Il a été frappé par une maladie qui n'a pas traîné et le joueur a rendu l'âme le dimanche dernier ici à Kinshasa au bout donc d'une courte période de maladie. Toutes nos condoléances. Et direction Lubumbashi, l'entente provinciale de basketball du Lualaba a ouvert officiellement sa saison sportive 2024. C'était le dimanche 24 mars au terrain du cercle réactif de Manika à Kolwezi. Nous sommes donc à Kolwezi et pas à Lubumbashi. C'est la rencontre qui a opposé le BC Chemchem au BC Mariapolis qui a ouvert le bal. Le champion en titre Chemchem a gagné la rencontre par le score de 76-64. À ce reportage de Gédéon Amaleka et Cyrano Monza pour en savoir plus. Le basketball Chemchem a débuté le championnat de l'entente provinciale de basketball du Lualaba comme il avait fini, c'est-à-dire par une victoire. Le champion en titre a battu le BC Mariapolis dans le match d'ouverture de la saison 2024 devant un public passionné qui vibrait au rythme de chaque bonne action. Les basketteurs ont offert du beau spectacle. Le BC Chemchem a été plus fort au rebond offensif et défensif amené par Mika. Ils ont été plus décisifs devant les paniers que leurs adversaires. Le BC Mariapolis a brillé par des ratés. Conséquence logique, l'équipe a perdu 76-64 devant le champion Chemchem. Bien avant le début de ce match, les équipes ont défilé. Le président Scotty Kabongo a demandé aux autorités de les aider avec des infrastructures. Aux autorités de nous doter, dans le jour à venir, un terrain de basketball répondant aux normes internationales pour l'épanouissement de notre jeunesse. Le coup d'envoi officiel a été donné par l'honorable député provincial Jean-Marie Kasea Chingambo. Ce dernier a promis de plaider pour la cause des jeunes. De construire un stade de basket-ball. Je crois que vous avez totalement raison en tant que
débuter. Si j'ai vu ce qui se passe dans d'autres sud, ça sera quelque chose que nous allons prendre à cœur pour que nous puissions plaider la cause de la jeunesse du Gabon. Étant donné qu'ils aiment jouer, nous, en tant qu'autorité, nous devons les accompagner. Et je m'engage à les accompagner. C'est donc parti pour une saison qui s'annonce palpitante à l'entente provinciale de basketball du Lualaba. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Digital Sport pour aujourd'hui. Grand merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Retenez que vous pouvez retrouver ce journal d'où vous voulez, quand vous voulez, en direct sur notre page YouTube, en direct et en replay à Digital Congo TV.